On va commencer. Good afternoon, ladies and gentlemen. We are very happy to be here today to discuss major topic about artificial intelligence and how it can be used as leverage to improve education in Africa. The topic is very large and huge, and we will try to discuss some aspects of this topic with a very outstanding panelist. Today we are happy to have with us Mrs. Gertrude Kone-Dueri, who is Executive Director of the National Union of Telecommunications Enterprises of Côte d'Ivoire. We have also Mr. Karim Si, who is Jaco Labs founder and strategic partner for Africa, and he will present probably O1 talent for Africa. And also Mrs. Véronique Ventos, she is associate professor at University Paris-Saclay and co-founded of a very promising startup in Paris called Nukai, and probably she will talk us about Nukai also. Finally, I will introduce this panel and introduce the questions we will try to address here. My name is Amal El-Falaseghrouchni, and I am the head of Artificial Intelligence Center of Morocco, which is called AI Movement, at the University UM6P. And I am also professor at Sorbonne University in Paris and member of the COMEST of the UNESCO. The question we would like to discuss with you today is AI for education in Africa. Education, as you know, is human right and a major asset for sustainable development. According to the United Nations, education is also necessary prerequisite for all the 2030 Sustainable Development Goals, ODD in French, les Objectifs de Développement Durable, as defined by United Nations. This is why Education 2030 by United Nations plan aims to ensure access for all to inclusive and quality education, including lifelong learning opportunities. AI for education in Africa. Is it possible to use AI to improve education in Africa? This is one of the main questions we would like to address today. In the transition to the cognitive era, education should take benefit from digital technologies and in particular from artificial intelligence field as a lever for progress, empowerment, and emancipation. Education worldwide faces two big challenges today. The first one is about reaping the benefits of AI and related advances to improve educational processes. By educational processes, I mean how to use AI to take benefit from AI, artificial intelligence, to improve, for example, classrooms, the educational systems, the teaching itself, etc. The second challenge is about preparing students, but not only students. Students and also learners and teachers for the new skill sets for increasing automated economies and societies. When we talk about new skill set, many reports evaluate that 30 up to 40 jobs in the future, in the near future, in 2030, I mean. All these new jobs will require cognitive skills, skills based on AI, artificial intelligence. And now, in Africa, we should be ready to face this, to acquire these new skills and to face this change in the environment of
of teaching and also in the new jobs that appear on the market. So AI for Africa, for education in Africa, is something we should work for, because this AI may reduce the inequalities like cultural, economical, gender problems, social, cognitive, technological, and so on. And also AI may, if well used, help to decrease violence and discriminations. And here we make reference to ODD 10, 5, and 4 as defined by United Nations. So the questions we would like to address in this panel are the following. First question is, what are the potential contributions of AI in concrete way to the education system in Africa? And for this, my friend and colleague Gertrude will discuss different aspects and will try to answer to this question. The second main question of this panel is, what are the avenues to push AI in education? How to do to improve and to use AI in education at what level? Most people say, okay, AI will improve educational systems. The question is how? Where we should start to do this? And my colleague and friend also, Véronique Vontos from Paris, will try to discuss this, to answer this main question and sub-questions, and she will present to us Cartoon, which is the unique platform of adaptive learning powered by artificial intelligence and cognitive science. And this platform got the label of the Ministry of Education in France as significant tool to improve education by AI. Last but not least, we will have the third question, main question, which is, what is the future of education in Africa? And here, I am really happy to have Karim C, who is very involved in developing teaching in Africa using AI, and Karim will probably present Zero Un Talon. We had a video for that, and he will try to answer also these questions. So after that, we will have some interaction with the audience, and we probably will have, I hope, many questions. Now I go back to invite my colleague Gertrude to come here, please. You have the room. And maybe if you can send the presentation. Thank you. Merci beaucoup, professeur. Bonsoir à tous. C'est un réel plaisir pour moi d'être en votre compagnie cet après-midi pour parler d'intelligence artificielle et d'éducation. Alors, avant tout, permettez-moi de vous dire que je ne suis pas une experte en intelligence artificielle, mais simplement, je vais vous parler d'une problématique qui aura un impact sur, bien évidemment, sur l'économie. Et ce sont, si vous voulez, les aspects économiques de la question qui m'intéresse, puisque je représente les intérêts du secteur privé, des entreprises du secteur privé, du secteur télécom, TIC, donc technologie de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire. Et puis également, je vais me baser bien évidemment sur mon expérience professionnelle, sur mes lectures, et puis un petit témoignage personnel quand même. Alors tout d'abord, comme le professeur l'a dit dans son intervention liminaire, elle a parlé du contexte mondial. Comment est-ce qu'on en est arrivé à s'intéresser
à l'intelligence artificielle et à l'éducation. Quelque chose, trois points très forts ont retenu mon attention dans le consensus de Beijing sur l'intelligence artificielle et l'éducation. Le premier point, c'est un engagement fort des participants qui, rappelons-le, étaient de divers horizons. Il y avait des représentants du gouvernement, des gouvernements, il y avait des représentants du corps professoral, des représentants, donc si vous voulez, du monde de l'éducation et de la recherche, vous aviez des représentants du secteur privé, de la société civile, bref, eux tous ont pu arriver à un consensus. Et le premier point, c'est l'engagement fort, comme je le disais tantôt, et donc qui va porter sur l'élaboration de réponses politiques appropriées qui visent à une intégration systémique de l'intelligence artificielle et de l'éducation pour innover dans l'éducation, l'enseignement et l'apprentissage, et surtout à tirer parti de l'intelligence artificielle pour accélérer la mise en place de systèmes éducatifs à la fois ouverts et flexibles, mais qui offre également des possibilités équitables et pertinentes d'apprentissage tout au long de la vie. Le deuxième point, c'est surtout une affirmation respectueuse de l'humain. On reconnaît que l'humain doit être au centre de tout et que l'intelligence artificielle ne doit pas avoir la priorité sur l'humain. Troisième point, c'est une recommandation tenant compte des particularités des pays. Parce que dans de tels consensus, ce qu'on constate la plupart du temps, c'est qu'on essaye d'harmoniser les points de vue. Alors que là, chaque pays a sa culture. Quand on parle d'éducation, il y a les facteurs culturels qui sont importants. Et il était important de réaffirmer qu'il faut tenir compte des spécificités de chaque pays, parce que chacun a ses objectifs de développement, chacun a ses spécificités culturelles, chacun a ses systèmes éducatifs, et il va falloir faire un mix qui tienne compte de tous ces paramètres. Alors, de manière générale, comment à notre niveau nous percevons l'Afrique et l'éducation? Le professeur vous a donné quelques pistes de réflexion. Moi, je voudrais tout simplement vous ramener quelques années en arrière, en 1960. Alors, vous imaginez, 1960, c'est le contexte des indépendances pour la plupart des pays africains. Les années 60, sont les années d'indépendance pour nombre de pays africains. Et en 1960, la priorité devait être donnée au système éducatif qui était perçu comme la clé du changement et du développement économique, social, politique et culturel. Mais dans les systèmes qui ont été mis en place, il y avait deux catégories la plupart du temps qui cohabitaient. Des systèmes traditionnels, donc basés sur nos cultures, basés sur la religion et le sacré, également qui laissaient peu de place à l'innovation. Et à côté de ces systèmes traditionnels, il y avait les systèmes dits modernes, qui étaient des systèmes pour la plupart coloniaux, dont on avait les systèmes francophones. Je m'exprime en français, donc ça veut dire que moi, je suis plutôt du système francophone. Il y en a qui ont réussi la transition, comme le professeur anglais, français-anglais. Il y a également les systèmes hispanophones, lusophones, germanophones, et ainsi de suite. Donc, en tout, 6 systèmes éducatifs coloniaux qu'on pouvait retrouver à travers l'Afrique. Ça fait quand même beaucoup. Mais il fallait également une maîtrise de la langue d'apprentissage, et aussi bien par les enseignants que par les apprenants. Et ça, comme vous allez le voir, ça va se révéler un véritable problème. Et c'est bien un des facteurs de la cause des échecs de certains systèmes éducatifs, la maîtrise de la langue d'apprentissage, de la langue d'enseignement. Alors, donc, bien évidemment, avec avec ce mix de systèmes éducatifs traditionnels et modernes, il y a une part qui vient se greffer encore. Il y a ce que nous-mêmes,
ce que nos familles nous apportent de par leur niveau social. Ça fait quand même beaucoup. Et bien évidemment, tout ce mix, ce mélange, cette combinaison va occasionner des défis. Et des défis importants. Ces défis, d'abord, ça sera l'adéquation formation-emploi. Parce qu'on se retrouve avec des systèmes qui ne sont pas forcément flexibles. Il y aura l'exclusion. L'exclusion tout simplement parce que les systèmes traditionnels persistent ou par exemple les filles n'ont pas encore accès en totalité à l'éducation. Les inégalités, ça peut être également donner la préférence aux jeunes garçons à l'école. Ça peut être aussi à cause des stratifications sociales qui vont s'établir. Il y aura également le coût et le financement de l'éducation. Il est clair que les systèmes traditionnels n'amenaient pas à avoir des dépenses budgétaires en matière d'éducation aussi énormes. Également, un défi important qui mérite d'être relevé, c'est la stimulation de l'esprit de créativité et d'innovation, de l'esprit d'initiative et d'entreprise. S'il est vrai que les systèmes traditionnels faisaient un blocage sur... par rapport à l'innovation, on cherchait plutôt à perpétuer des traditions. Ici, dans ces contextes traditionnels, on essaye quand même de pousser vers l'innovation, vers la créativité, avec plus ou moins de succès, je le dis. Alors, pour rappeler un peu les liens, avant de passer à un autre sujet, selon l'UNESCO, le lien entre l'intelligence artificielle et l'éducation s'établit dans trois domaines. Le premier domaine, c'est apprendre avec l'intelligence artificielle. Le second, c'est apprendre sur l'intelligence artificielle. Et le troisième, c'est se préparer pour l'intelligence artificielle. Retenez bien cela à l'esprit parce que ça va être le fil conducteur des propos que je vais tenir par la suite. Parce que ça va nous permettre de comprendre quel est l'impact sur l'apprenant, sur l'enseignant, et puis sur des parties qu'on ne met pas assez souvent en exergue, mais l'impact sur les États et puis sur le secteur privé productif. Alors, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un potentiel qui a même de garantir une éducation inclusive, équitable et de qualité, et des opportunités d'éducation tout au long de la vie pour tous. Je le répète, oui, ça a été dit lors du consensus de Beijing, mais je le répète parce que j'en suis convaincue. Pour les apprenants, quel sera l'impact? Tout d'abord, la personnalisation des parcours de formation en fonction des besoins, des lacunes et des difficultés. On se retrouve avec beaucoup de situations d'échecs scolaires, mais tout simplement parce que je ne sais pas si au Maroc, c'est comme chez moi en Côte d'Ivoire, mais on se retrouve avec des effectifs pléthoriques dans les classes, que ce soit au cycle primaire comme au cycle universitaire. On a de plus en plus de jeunes, de plus en plus de jeunes qui sont scolarisés. Mais comme il n'y a pas de l'autre côté suffisamment d'enseignants, l'enseignant n'a pas assez de temps à se consacrer à chaque élève. D'où des situations d'échec scolaire. Il y en a qu'on n'arrive pas à rattraper. Également, il y a l'optimisation de l'usage des MOOC par les apprenants. Il y en a de plus en plus, mais comment on sait que c'est le bon? Comment on peut l'utiliser? Est-ce que c'est celui qui est le mieux adapté à notre niveau de compréhension, à notre niveau de compétence? Ça, c'est un véritable challenge aussi. Il est clair que c'est un atout certain pour l'apprentissage d'une langue étrangère, parce qu'avec des outils TIC et l'intelligence artificielle, on arrivera à permettre d'apprendre rapidement une langue étrangère. Souvenez-vous, je vous avais dit dans l'entame de mes propos que la langue a été un des facteurs d'échec de nos systèmes éducatifs. Aujourd'hui, dans les pays où vous avez des enseignants qui ne maîtrisent pas parfaitement le français ou l'anglais ou l'espagnol. Mais pourtant, ils sont enseignants.
Ils excellent dans leur langue à eux, les langues natives, mais pas dans la langue qui a été rapportée par le colonisateur. Également, il y a la réduction du risque d'être exclu du système. Si on a la possibilité d'être d'un meilleur encadrement, si on a la possibilité d'une meilleure prise en compte des besoins de l'étudiant, il est clair que les risques d'exclusion du système éducatif vont être réduits. Pour les enseignants, nous avons noté l'automatisation de certaines tâches avec peu de valeur ajoutée. À ce niveau, moi je peux vous dire que je suis le pur produit d'un couple d'enseignants. Mon père était instituteur, ma mère était institutrice des classes primaires, et je me souviens de ces longues soirées passées devant des copies, parce qu'ils n'avaient pas qu'une classe, quelquefois ils avaient plusieurs classes à la fois, faute justement d'enseignants, ils pouvaient prendre deux classes à la fois. Et quand vous avez une classe où vous avez 60 élèves, 120 copies à corriger en une soirée, et à partir du lycée, nous avons été mis à contribution, mes sœurs et moi, pour la correction des copies. Oui, on nous donnait le correctif et puis on devait corriger. Alors vous imaginez quelle aurait été leur joie aujourd'hui de savoir qu'avec l'intelligence artificielle, ils pourraient être débarrassés de cette corvée de copies. Également, il y a l'amélioration de la pratique enseignante. Toujours en me basant sur l'exemple de ma famille, mon père avait cette habitude de faire une catégorisation de ses élèves. Donc, il y avait ceux qui étaient au paradis, ceux qui étaient au purgatoire et ceux qui étaient en enfer. Donc, il les plaçait de cette manière dans la classe. Vous aviez d'un côté ceux qui étaient au paradis, au milieu le purgatoire, et puis de l'autre côté, ceux qui étaient en enfer. Et son challenge, c'était de ramener les gens du purgatoire, les gens de l'enfer au purgatoire, puis au paradis. Alors, si vous aviez un outil, si vous avez l'intelligence artificielle pour vous permettre de détecter très vite les cas, parce que ça lui prenait du temps pour faire cette catégorisation, il lui fallait au moins un trimestre pour faire cette catégorisation, pour s'assurer que, pour être certain qu'il ne se trompait pas, et puis léser les enfants. Alors, s'il avait eu un tel outil, je pense que ça lui aurait été bien utile. Également, il y a un plus important accompagnement personnalisé des élèves, parce que je me souviens que pour ma mère, c'était un véritable crève-cœur quand il y avait des élèves qui étaient obligés de doubler la classe et donc qui ne passaient pas en classe supérieure. Enfin, un autre aspect pour les enseignants, c'est la réduction du plagiat. Il y a bien d'autres aspects, mais j'en ai choisi quelques-uns. Alors, pour les États, quelles pourraient être les contributions de l'intelligence artificielle au système éducatif? Le premier élément qui me semble important à partager, c'est de combler le déficit en enseignants. On a de plus en plus d'enfants dans le système éducatif et de moins en moins d'enseignants. D'abord, parce qu'ils sont rebutés par le fait que c'est difficile d'être enseignant. C'est vraiment un sacerdoce. Mais en plus de ça, ce n'est pas super bien payé. Donc, ils n'ont pas envie. Alors, exercer un métier difficile pour être peu payé, pas envie. Mais par contre, si l'intelligence artificielle combinée avec tout ce qui est outils digitaux permet de rendre la tâche plus légère, je suis sûre qu'on aurait beaucoup plus de candidats à la fonction. Et également, améliorer plus rapidement et de manière continue les qualifications et compétences des formateurs. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons des enseignants qui ne savent toujours pas utiliser le digital. Alors, à plus forte raison, allez-y leur parler d'intelligence artificielle, mais là, vous allez leur compliquer la vie. Mais il est clair que, petit à petit, ça rentre dans les mœurs. Et je peux vous dire que il y a un des opérateurs de téléphonie mobile chez nous, je ne vous dirai pas son nom pour ne pas qu'on me dise que je fais de la publicité. Alors, cet opérateur de téléphonie mobile, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il finance des classes de mathématiques pour pouvoir orienter ensuite les élèves vers la recherche sur l'intelligence artificielle, le développement de services avec basés sur l'utilisation
de l'intelligence artificielle. Oui, ça, on l'a compris. Mais qu'est-ce que l'État attend pour aller dans ce sens-là? Parce qu'il s'agit aussi de mieux répondre aux attentes des entreprises en matière d'adéquation, formation, emploi. On dit que pour les entreprises, le temps, c'est de l'argent. Ça devrait être la même chose pour les États. Pour les États, les gouvernements, le temps, ça devrait être de l'argent pour tout le monde. Donc, puisqu'on est en train de parler du secteur privé, je vous dirais que le secteur privé serait bien content d'abandonner à l'État son rôle régalien d'assurer l'adéquation formation-emploi. Parce que tout simplement, les budgets de formation interne, et là je me base sur le cas des opérateurs télécoms que je connais très bien, les budgets de formation interne sont énormes. On prend les produits issus des régimes éducatifs, des systèmes éducatifs, pardon, mais on est obligé, nous, de les reformater. Et ça coûte. Ça coûte cher. Également, avec l'intelligence artificielle, les entreprises pourraient bénéficier plus rapidement de ressources dotées de compétences requises, puisqu'on va utiliser les MOOC. On va se baser sur les compétences, les niveaux de compétences réels pour pouvoir mieux former nos ressources humaines. Également, le dernier avantage, et non le moindre que je citerai pour l'entreprise, c'est de mieux appréhender les évolutions des métiers. Parce qu'aujourd'hui, tout simplement, une entreprise qui n'évolue pas, une entreprise qui n'a pas su anticiper les évolutions de son métier est appelée à disparaître. Alors, pour finir, pour moi, je dirais qu'il y a plusieurs challenges, mais qui, heureusement, ne sont pas insurmontables. Le premier d'entre eux, c'est la volonté politique. Oui, il y a la volonté politique, on l'exprime dans les discours et tout, mais est-ce que dans les faits, c'est vrai? Est-ce que cette volonté est traduite dans les politiques de développement des pays et les stratégies d'éducation nationale? Ce qui se traduirait bien évidemment par des budgets un peu plus conséquents au début pour le digital, pour la transformation numérique de l'éducation, pour la transformation digitale de l'éducation nationale, pour l'introduction de l'IoT, de l'IA surtout, de la blockchain dans les systèmes éducatifs. Également, il faut miser sur la recherche et l'enseignement en intelligence artificielle pour pouvoir constituer un bassin de compétences. Parce qu'aujourd'hui, les meilleurs s'en vont dans les systèmes les plus évolués. Ils ne restent pas dans nos pays d'Afrique. Ils s'en vont tous. Alors, comment faire pour constituer ce bassin de compétences? Il faut mener une réflexion là-dessus. Il faut également mettre en place un cadre juridique et réglementaire. Donc, mettre en place des dispositifs juridiques et réglementaires adéquats qui serait à même de permettre l'utilisation de l'IA dans un environnement sécurisé, dans un environnement qui respecte l'éthique. Il faudrait agir également sur les coûts d'accès aux outils numériques. L'Algérie récemment a pris des décisions très fortes, très courageuses, en défiscalisant tout ce qui est équipement numérique. Tout simplement, ça fait des pertes de recettes fiscales à court terme, c'est clair. Mais à moyen et long terme, ça sera tout bénéfice, tout simplement parce qu'ils auront réussi le pari rapide, le pari de la transformation digitale rapide de leur économie. Concernant la connectivité, là également, c'est un challenge. Il va falloir intensifier les initiatives et la collaboration publique-privée pour assurer le maillage territorial et l'accès au débit. On parle d'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, ça fonctionne comment? Ça fonctionne bien à partir de terminaux. On utilise des terminaux. On utilise, et ces terminaux, ils fonctionnent comment? Ils fonctionnent avec des infrastructures. Ils fonctionnent avec de la connectivité. Ils fonctionnent également avec l'énergie. L'énergie qui reste encore un des problèmes de bon nombre de pays africains. Et à ce stade-là, je pense qu'il faut parler de l'exemple du Maroc qui a misé sur les énergies renouvelables. Voilà un beau tableau ici qui présente des éoliennes
C'est très bien. Mais nous qui avons du soleil en abondance sous les tropiques, qu'est-ce qu'on en fait? Il faudrait peut-être commencer à capitaliser là-dessus. Et enfin, dernier point, c'est l'abandon des préjugés sur l'intelligence artificielle. Je vous avoue qu'au début, j'en avais peur. Au début de ma carrière dans le secteur des télécoms TIC, j'avais peur de l'intelligence artificielle. Mais, petit à petit, avec les informations, avec ma curiosité, avec un peu de formation et tout, j'ai compris que oui, il y a des dangers, c'est vrai. Mais ces dangers, ce sont, je ne dirais même pas des dangers, des risques. Ce sont des risques qui peuvent être maîtrisés à partir du moment où on met l'humain au devant, l'humain au centre, l'humain à la fin de nos préoccupations, ces risques peuvent être maîtrisés. Et moi, je crois en l'intelligence artificielle pour l'amélioration de nos systèmes éducatifs en Afrique. Je crois en l'intelligence artificielle pour l'amélioration du développement économique de nos économies. Je crois en l'intelligence artificielle pour améliorer la compétitivité de nos entreprises. Sur ce, je vous remercie et j'espère ne pas trop vous avoir ennuyé. On va passer la parole à Madame Véronique Ventos qui est en ligne. Je vais partager mon écran. En espérant que ce n'est pas le Covid. Ah. Est-ce que c'est bon pour... Est-ce que vous m'entendez ou... Attendez. Allô? Oui, Véronique, on vous entend bien. C'est bon, on vous entend. Ah, parfait, parfait. Très bien. Vous voyez également l'écran? Parfaitement. Ah, super. Très bien. Bah, écoutez, déjà, je voudrais vraiment dire un grand merci à l'organisation et puis le plaisir que j'ai donc de partager cet événement avec les panélistes Gertrude, Karim et ma chère amie Amal, parce que c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Je vais vraiment dire deux mots hein, sur Nukai pour situer un petit peu le contexte, dans quel cadre on est en train de déployer Cartoon. Donc, pour être très modeste et faire simple, on présente Nukai comme... une start-up, un laboratoire privé, pionnier en intelligence artificielle nouvelle génération. Et ce qui va nous distinguer, et ça fait écho à pas mal de choses qu'a dites Gertrude, hein, pas tout, hein, on ne résout pas tous les problèmes, bien évidemment, mais les trois points fondamentaux pour nous qui nous distinguent, c'est le côté explicabilité, le point très, très important de... la collaboration entre l'homme et la machine, hein, la machine que ce soit l'IA ou d'autres méthodes informatiques, et enfin le côté IA verte, c'est-à-dire économe en énergie. Bon, je ne vais pas rentrer plus en avant sur Nukai, et plutôt expliquer comment on arrive à développer ces nouvelles méthodes. Donc, on utilise le jeu de bridge comme bac à sable. Alors, pourquoi le jeu de bridge? Je vais pas vous parler du bridge ici, mais le jeu de bridge, déjà, ça reste un grand, grand challenge pour l'intelligence artificielle. Donc, ça permet de faire des travaux très intéressants là-dessus. Et là, on est en pleine préparation, notamment d'un challenge où on va comparer notre robot de bridge
à des champions du monde. Mais l'idée, c'est pas voilà, de se concentrer sur le bridge pour le bridge, mais plutôt l'autre intérêt du jeu de bridge, c'est qu'il est extrêmement proche des problèmes de la vie réelle. Et ça nous permet de transférer ces nouvelles méthodes sur des applications de la vie réelle. Et bah, Cartoon, c'est la première application, donc c'est la première, je dirais que c'est un peu ma favorite, c'est la première application d'application de nos méthodes sur le champ de l'éducation. Voilà. Donc, pour faire simple, le point fondamental dans Cartoon, c'est vraiment de faire en sorte que les enfants apprennent en jouant, donc en s'amusant. C'est quelque chose, en fait, qu'on avait en tête depuis le début, ce côté pourquoi forcément s'ennuyer, pourquoi être statique quand on doit apprendre, que ce soit pour les adultes ou les enfants. On pense que c'est très, très important qu'il y ait ce côté on se fait plaisir. Et ça fait écho à des travaux récents, par exemple, de Stanislas Dehaene sur le fait, donc, qui est chercheur en sciences cognitives, sur le fait qu'on peut apprendre beaucoup en utilisant des jeux. Donc, il a montré ça, par exemple, sur les échecs, pour montrer en quoi les échecs pouvaient permettre à des enfants ou des adultes d'appréhender des notions de mathématiques très difficiles. Alors, tout ça, en fait, ce n'est pas une surprise, parce que si on regarde dans le monde animal, bah, les bébés animaux, les chiots, les lionceaux, quand ils apprennent à se défendre, à vivre, bah, en fait, ils jouent. Donc, c'est un petit peu cette notion qu'on essaye de transférer. Alors, comment ça se fait? Voilà, concrètement. Concrètement, cet outil, qu'est-ce que c'est? Comme vous le voyez, l'application Cartoon utilise des cartes. Et évidemment, si on veut s'amuser, on va changer un petit peu le design des cartes. Donc, on a pas mal travaillé là-dessus. Mais là, c'est le Cartoon, une version de Cartoon qui est censée être utilisé par des enfants, on va dire, de 5 à 7 ans. Donc, on a remplacé les valets, les rois, les dames par des dinosaures, des robots. Bien sûr, on a gardé les nombres de 1 à 10. Et à partir donc, de ces cartes, on va utiliser un jeu qui est une version très, très simplifiée du bridge. Et sournoisement, on va faire passer des notions de maths aux enfants qui seront ravis de jouer donc dans cette phase de bridge, mais également on va récupérer le support, c'est-à-dire que ces cartes, ce sont les bases en fait de tous les exercices qu'on va proposer là-dessus. Et en fait, les enfants vont être très sensibles à ça, c'est-à-dire que si on leur dit de compter avec Archie, c'est un personnage qu'ils ont connu quand ils jouaient donc à cette version réduite du bridge, et c'est quelque chose qui permet en fait de les faire travailler avec plaisir. Donc ça, c'est sur la partie en fait quel est le matériel, etc. Maintenant, ce qui est extrêmement important et qui vraiment fait écho à ce qu'a pu dire Gertrude, c'est les deux éléments, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait. Là, voilà, les enfants jouent sur la plateforme, font des exercices à travers le matériel donc de cette plateforme. Mais ce qui est extrêmement important, et c'est la partie de l'intelligence artificielle finalement, c'est que d'une part, cette application est adaptative et personnalisée, donc ça veut dire qu'elle va aider les enfants. Comment? Eh bien, au fur et à mesure que l'enfant joue, au fur et à mesure qu'il fait des exercices, l'intelligence artificielle récupère les datas et va faire à la fois un profiling. Alors, pas simplement, comme a dit Gertrude, on ne va pas mettre les enfants dans des groupes suivant juste le niveau paradis, purgatoire, enfer, mais c'est déjà une bonne idée, en fait, de ne pas traiter les enfants tous de la même manière, mais plutôt des profils psychologiques, parce que
On a tous une manière différente d'apprendre. Donc, on récupère en fait les traces, c'est-à-dire pas seulement les résultats par rapport aux questions posées, mais leur manière de gérer l'application. Est-ce qu'ils font toujours le même type d'exercice? Est-ce qu'ils vont faire que le niveau 1 de tous les exercices, etc. Et le but, c'est vraiment d'avoir une série d'exercices personnalisés, bien sûr par rapport au niveau, ça c'est essentiel, mais aussi par rapport au type d'erreur qu'ils vont faire et à leur profil psychologique. Donc c'est vraiment un outil qui permet d'éviter que l'enfant se lasse si on lui propose des exercices trop faciles, ou au contraire perde confiance parce que on lui propose des exercices qui le mettent en échec sans arrêt. Ça, c'est le point de vue de l'enfant. Maintenant, et ça fait encore écho aux demandes, enfin, ou en tout cas au problème qu'a adressé Gertrude, quand on se retrouve dans des classes avec un très, très grand nombre d'élèves, c'est très difficile pour les professeurs d'école d'aider les élèves. Et là encore, l'idée, c'est pas du tout de remplacer ces enseignants, mais plutôt de leur apporter un outil, donc Cartoon en fait partie, qui va leur simplifier leur travail. Et pour ça, on va fournir en fait aux professeurs d'école, toujours à partir des traces, donc c'est quelque chose qui va être évalué, un feedback intelligent, c'est-à-dire c'est pas juste des stats, c'est pas juste j'ai un petit souci, c'est que j'ai l'impression que on voit pas la suite des slides en fait sur le. Est-ce que vous avez le parce que je suis désolée, mais j'ai un retour sur le lien Facebook et j'ai l'impression que on voit que le premier écran. Il vient de venir, mais vous l'avez ramené là. Ah d'accord. C'est-à-dire là, en fait, ou peut-être j'en suis à Cartoon, mais sur ou alors c'est peut-être mon YouTube qui est décalé. Voilà, je suis désolée pour l'interruption. Donc ce que je disais, c'est que notre souci est de fournir une sorte de bilan complètement mis à jour à chaque exercice que va faire l'élève, de manière à fournir aux enseignants en fait des sortes de recommandations, mais pas seulement il a 10 sur 20, quelque chose de très classique, mais plutôt lui faire du repérage. Tel élève a des problèmes dès qu'il y a plus de 10 cartes, des problèmes avec la retenue, des problèmes peut-être avec un mélange de couleurs, et ça peut même aller jusqu'à la détection d'une dyscalculie ou une inversion du 6 et du 9. Voilà, donc ça, c'est le genre d'outil qui est fourni dans Cartoon et qui va permettre aux enseignants de savoir comment discuter avec chaque élève et aussi créer des groupes d'enfants qui auraient les mêmes types de problèmes pour les faire progresser ensemble. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Et je dirais que pour Cartoon, à cet instant, c'est vraiment les deux aspects qu'on privilégie. C'est faire une génération d'exercices automatiques, donc ça aussi, ça enlève pas mal de travail à l'enseignant, adapté à l'élève, et enfin, ce retour pour permettre aux enseignants d'accompagner, de leur faire gagner du temps et d'accompagner au mieux les enfants. Alors, comment ça se passe concrètement ? Concrètement, on est déjà au stade où on a bien sûr commencé à tester donc, dans différentes écoles Cartoon. Alors, donc, je peux vous parler de la phase expérimentale, sachant qu'il est testé sur des écoles en France depuis septembre 2021. Mais pendant la phase expérimentale, on commence toujours par une phase avec à la fois les enfants et les professeurs d'école, une phase où on va utiliser le jeu pas la version applicative, c'est-à-dire que toutes les cartes de dinosaures, etc., que vous avez vues,
on a des jeux de cartes avec, avec exactement les mêmes éléments que ce qu'ils retrouveront sur l'application, mais on va familiariser et l'enfant et les enseignants avec ce jeu. On va leur apprendre les règles, c'est des séances très conviviales. Et puis ensuite, on va utiliser donc les mêmes cartes pour commencer à faire des exercices, mais cette fois-ci également par groupe, donc ça crée une cohésion, et toujours en présentiel. Dans cette phase donc de mise en place dans une classe de cartoon, on va ensuite familiariser, cette fois-ci sans les enfants, le professeur d'école avec l'application pour lui montrer comment gérer justement le tableau de bord qui récupère, etc. Et enfin, dans une dernière session, cette fois-ci collective, où il va y avoir des groupes où il y aura des enfants qui jouent avec les cartes, mais pas via l'application, d'autres avec l'application, et puis toujours avec l'institutrice qui reste finalement la chef dans sa classe. Ça, c'est très important. On ne veut pas remplacer l'humain, on veut fournir à l'humain des outils qui lui permettent d'être plus efficace, et en aucun cas, c'est Cartoon qui décidera à la place de l'instit ce qui va se passer. Ça, c'est extrêmement important. Alors, on est très fiers, et puis on a été très heureux parce que en septembre 2021, on a remporté un contest des DUUP, ce qui nous a permis vraiment de démarrer et de mettre en place tous ces tests et finalement en réel dans des écoles. Et à partir de la rentrée septembre 2022, toutes les écoles de France devraient être équipées avec Cartoon. Et donc, c'est vraiment un beau succès et toute l'équipe est extrêmement heureuse de ça. J'en viens à, bien sûr, mais finalement, ici, on en est au début de l'aventure. Hein. Ça va vite, on ne s'y attendait pas. Ça va très, très vite. Mais on est très conscient qu'il faut aller bien, bien au-delà des frontières françaises. Il faut également aller au-delà de ce que peut procurer, puisque c'est plus une idée de produit. C'est un produit donc qui peut être aussi utilisé pour la lecture, pour différentes choses en fait. Et pour ça, on est en fait très très preneur de co-construction. C'est-à-dire, ce que vous voyez là sur Cartoon, ce n'est pas nous, dans notre labo Butokai, qui avons tout décidé. On a travaillé en collaboration avec des professeurs d'école en France, puisque c'était nos premiers partenaires, si je puis dire. Et on a aussi récupéré toutes les réactions des enfants. Donc, c'est pour ça que, dans le futur et très vite, ce qu'on veut faire, c'est trouver des partenaires avec lesquels on puisse vraiment transférer Cartoon, le modifier. Hein. Il ne s'agit pas de dire « Oh, regardez, notre Cartoon tel qu'il est, il est parfait, utilisez-le par exemple en Afrique. » Il s'agit de le customiser, de savoir quelles sont les caractéristiques qui intéresseraient donc les enseignants, quelles sont les caractéristiques des enfants, par rapport à quel âge, etc. C'est des décisions que nous, on ne peut pas prendre. Ensuite, ce qui est prévu et qui est extrêmement important, c'est la notion de jumelage, parce qu'encore une fois, il s'agit de co-construction, et ce jumelage, ça permettrait l'échange entre professeurs d'école qui pourraient créer de nouveaux exercices, finalement créer une sorte de communauté autour de Cartoon, de manière à ce que toutes les fonctionnalités, toutes les idées d'exercice puissent grossir. Nous, on n'est que les implémenteurs, mais c'est cette communauté de chercheurs et également d'enseignants qui fera en sorte que Cartoon pourra prendre vie sur le continent africain. Donc, l'adapter, ça veut dire, par rapport aux spécificités de langage, comme l'a dit Gertrude, mais également par rapport à la culture, etc. Donc, toutes ces choses-là, je le répète, on est vraiment… c'est pour ça que je suis ravie de participer à ce panel. On ne va pas le faire tout seul,
On a besoin de vous, on a besoin de gens comme les participants, que ce soit d'un point de vue académique ou des gens qui ont des idées sur ce que c'est. Et également, on est en train de faire des adaptations de cet outil pour des apprenants particuliers. Donc là, on n'est plus dans le cadre éducation. Et par exemple, en ce moment, on est en train de monter un projet pour essayer de voir comment une plateforme comme Cartoon pourrait être adaptée pour des personnes autistes. Les personnes autistes ayant des problèmes de relation, elles pourraient être rassurées, par exemple, par rapport à leurs erreurs, les problèmes de communication, avoir un avatar qui leur parlerait, faire des exercices sans que personne ne les voit. Mais là encore, bien sûr, ce seraient les éducateurs qui seraient maîtres, parce que ça, c'est au cœur de tout ce qu'on veut. Nous, on veut aider, accompagner les éducateurs, les professeurs d'école, et absolument pas les remplacer. Et on veut aussi travailler avec eux. Alors, enfin, par rapport à l'équipe, on n'a pas mis tout le monde, mais ça, c'est juste pour montrer que ce projet, en fait, c'est pas que des chercheurs, des académiques, bien sûr. Donc, d'un point de vue recherche, il y a d'autres gens. Hein, donc, on a mis moi sur la partie IA parce que c'est la partie explicabilité, garder l'humain dans la boucle. Mais nous avons également Camille Sauvin. On a la grande chance qu'elle fasse sa thèse en sciences cognitives parce qu'il y a un aspect sciences cognitives très, très présent chez Cartoon. Donc, elle travaille dessus avec son directeur de thèse, Jérôme Sacure. Enfin, on a la partie maths, hein, comme je l'ai dit, on n'est pas des experts, on n'est pas des profs de maths, on n'est pas des professeurs d'école, et on a la grande chance d'avoir dans notre équipe Michel Gouy qui vient en présentiel expliquer aux enfants comment faire des maths avec une restriction du bridge. Nous avons également Philippe Cronier qui participe, enfin qui est en interne chez Nukai, qui est un champion du monde de bridge et qui est extrêmement intéressé par le fait de savoir comment le bridge peut permettre à des enfants et plus tard à des collégiens, des lycéens, par exemple, pour aborder des notions de probabilité tout en s'amusant. Voilà. Donc, on a évidemment aussi des ingénieurs. Jean-Pierre Desmoulins, qui est notre chef de projet, que je remercie ici parce que vraiment, par modestie, il n'a pas mis sa photo. On a aussi beaucoup de nos ingénieurs de recherche qui travaillent là-dessus. Mais comme je l'ai dit, nous sommes très, très ouverts avec des partenariats, notamment académiques, pour pouvoir, en fait, améliorer, étendre, aller vers l'international, le continent africain, ça serait vraiment le rêve parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc là, moi, je suis ici pour vous dire voilà où on en est, très modestement. Voilà où on veut aller, je ne sais pas tout à fait. Hein, c'est des idées, mais je pense que où on veut aller, il va falloir qu'on le détermine ensemble. Et puis, j'en ai fini sur cette première version de Cartoon qui, j'espère, aura un avenir sur le continent africain. Et merci beaucoup pour votre attention. On va peut-être passer la parole à Karim, Karim Si, dans quelques secondes, et on prendra les questions peut-être à la fin. Véronique, vous pouvez enlever votre... Oui. Arrêtez. Merci Amal. Juste pour vous présenter le contexte rapidement, je vous demanderai peut-être de passer la vidéo... Le 01. Vous entendez? Merci.
Oui, allô, vous m'entendez bien, Sikalim? Oui. Oui, parfait. On va, si vous souhaitez lancer votre vidéo. Oui, vous pouvez le faire? Très bien, on le fait de Je suite. vais l'exprimer. Karim. Thank you. So it was just a short video to show you what O1 Talent is about. Today, as you say, it's a talent growth factory. So what we do is to identify, grow, and deploy technology for 1 million digital talent across the world, and 500,000 in Africa. As Gertrude put it on, it's about also preparing for people to be able to manage intelligence artificial, and also to be in the capacity to use the information, the intelligence, artificial intelligence. So that's what we do actually from that angle. But also, we just opened a research and development center in Israel to work also on some advanced technology to embed them in our platform. So. It's thank you for that very important topics with the Wametsis University. It's an honor for me to be here with all of you, and especially with the other panelists who just introduced that topic. Unfortunately, I'm not physically, but that's also the new world of technology. We have that capacity to be in Dakar and to reach out to you in Dubai. So the impact of technology and artificial intelligence, more particularly, as it has been said, is changing our relation to the knowledge. And actually, we now have a lot of interfaces or simplifying things we're doing usually by using our capacity, but now it's all a lot of automation is coming and going beyond. So what's it changing on a relation in our education system facing the challenge of the 21st century, including the artificial intelligence? First is knowledge retention. I mean, before we have a lot of we need to learn knowledge and to keep it in our mind, but now it's becoming less and less somehow useless to compete with the computer. I remember when I came to Polytechnic in Montreal, people were saying, "Don't try to remember the equation. Just know how to use it, and then." Will be okay for an engineer. And coming from a French background where we need to understand all the development of the things was very surprising that actually we were at the beginning of this new approach of the knowledge. And that is also coming in a context where the environment and the knowledge is changing very fast. So we need to learn, and we need to learn
to unlearn, to relearn. So it's becoming a new exercise, and we know that actually human beings are very difficult, a lot of difficulty to reset their thinking and the way they are thinking. The second is the knowledge processing, the way we process the knowledge we have. Somehow it's useless also to compete with computer. Computer can go much, much more quicker than we can. We see that they can do a lot of calculation and a lot of things very quickly, and we are getting into more and more even bigger capacity with the computer. So the third is precision and quality and reality of what we do with the knowledge. And either on that side, we it's useless to compete with computer. So when we come to all this, we saw, and that's why we use actually the computer and the artificial intelligence, is how we reduce complexity and we reject the risk-taking and destroy somehow the creativity. We give the machine the capacity to think as we do, and then to manage the complexity, take risks and take decisions somehow. So what's the place for a human being when we say that? And that's perhaps one of the big questions, because if somehow we can become stupid. So we deal with that, and that means for us that we need to be more human using artificial intelligence. So how we can extend humanities with the artificial intelligence instead of competing, because there's no competition until now. Artificial intelligence is almost everywhere. So for that we need to focus on a system with co-creativity, empathy, to promote empowerment, autonomy, entrepreneurship, meaning promoting collective intelligence that we can improve with the artificial intelligence. And if we take what the study come out everywhere, is that there is four competence we need for the 21st century, mainly. In order to have a great individual growth, to create value and personal growth, that can help us to realize ourselves in this digital world. First is the creativity, as I said. Second is critical thinking. Third is communication, and fourth is cooperation. So, and add to that, you can have lot of, but there's three others, that is technical skills. And when it comes to deal with artificial intelligence, is technical in the development space and IT. It's problem solving and information management. So with the O1 platform, actually we push for that. We push for not use and we disrupt actually the education system, because we have a zone of collective intelligence we create for a training training almost everybody who have the capacity, who have a computational thinking, because we do a test before engagement of the learners. And the platform is teachless system, so we don't have any teacher in our campus. So to develop risk-taking, to unleash the creativity instead of waiting for what the teacher will say, develop the autonomy, and develop to promote entrepreneurship, the way of acting in automation. The second is like cartoon, actually. Believe that gamification is very important, and creativity emerges also where you are enjoy. So we need to create, and that platform is
governed by a playful environment that we can have a positive thinking and grow. And third pillar of our approach is the peer-to-peer approach. So the confrontation with the peers to create complex, to respond to the complexity, problem solving, develop co-creativity, so we can really let the collective intelligence emerge and develop the realization of the knowledge instead of being dependent of it. So we develop that capacity of exchanging with people. It's very interesting to see that we are working on the launch of a Zone 1 campus here in Senegal with Atos, which is one of our global partners. It's in their building, and what is very interesting is that actually the learners are coming in an environment where they will be confronting their real life working life, actually. So they are not coming competing from each other. Actually, they can see that they will work the same way when they will start from day one. Yeah. So with that, we now develop an whole ecosystem with our learners. We have so that campus working with the platform. So we have the test, people come, we do the test to see if they have the ability, not the diploma, but the connective algorithmic thinking and approach to be a good developer and have the capacity of creativity we want. And it's very interesting to see that the founder, Nicolas Alliard, who is doing this for 25 years, say that he meets more creativity in Africa than in other places. So it's quite interesting to see that approach. It looks like we unleash the creativity of Africa. And as we know, one of the biggest concerns is about the youth and all the youth going to school, don't know what have to do after. And for us, it's very interesting to be involved in a project where it's totally inclusive, because we don't ask for a diploma, a specific diploma. You can come from anywhere as soon as you have that capacity. So today, what we know as private sector, and I'm coming from the private sector, even if I've been involved in the launch of several initiatives for innovation and entrepreneurship in Africa, is that we know that now an organization success will depend on the collective success. So we really need to create that capacity to work collectively and to think collectively. Actually, even the initiative I launched before 11 years ago as one of the first innovation hub in Africa is JocoLab. Joko in Wolof is meaning the connection, the communication. So that's something very important for the 21st century, actually. So how we learn to learn, how we learn to become creative, how we learn to work together and to cooperate, that is the main skill we need, where we have more and more technology and artificial intelligence involved in solution that can create a world without any job somehow. It can be very frightening. So when we don't have a job, then we need to have a meaning. So we need to find a meaning together, because when you do things collectively, you need to act and have a vision together. So that's what we need to learn to think, learn to learn, and learn to interact. So find this and hope we can extend. And thank you, Lamia, to give us that, and Amal, to give us that opportunity to exchange, because as we all say, we need to find a different way to engage with that discussion and find
one big approach, including the diversity of our view, to become in capacity to move together as one and move that collective intelligence. Thank you. Comment on fait pour les questions? D'accord. Enfin, on arrête là, c'est tout. Ici, c'est des gens qui ont des questions. Oui. Moi, je pense que c'est pas des gens qui. Ok, merci beaucoup. Alors, comment on fait? On est arrivé au bout, du coup? Très bien. Oui, oui. Qui est-ce qui m'entend en fait? Parce que je ne sais pas qui entend et pas. Hmm? Tout YouTube. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup aux panélistes pour ces insights très intéressants. Je conclue en français du coup, comme ça, ça fait parfaitement bilingue. Et j'espère qu'on a répondu à quelques questions sur. C'est un sujet majeur et. Il y a beaucoup de choses à faire. Et en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a des initiatives diverses et variées, qu'on ait un certain nombre ici, enfin, en tout cas les panélistes, on pourra travailler ensemble pour avoir quelque chose de... Enfin, ce que fait, par exemple, Karim, c'est très important. On s'était rencontrés aux ATDA et je pense que c'est une approche de terrain qui est très importante, qui prépare le ground pour faire de l'IA. Ce que fait Véronique, c'est aussi très important pour mettre en place les mécanismes cognitifs. Et puis, avec mon amie Gertrude, on va continuer à discuter ce soir. On pensera à vous très fort, on aurait voulu que vous soyez là. Mais bon, on refera ça probablement à Rabat, dès que le Covid nous lâche un peu les baskets, si je puis dire. On refera une réunion IA éducation avec Karim, Véronique, Gertrude et d'autres amis que j'avais aussi contactés qui n'ont pas pu venir vu les conditions sanitaires. Donc merci beaucoup pour votre engagement, merci beaucoup pour votre participation. Et puis je vous dis à très bientôt à Rabat, probablement à AI Movement au mois de mai ou de juin. Voilà, c'est une promesse que je vous fais. Merci beaucoup. Est-ce que, si vous voulez dire quelque chose, en fait, je vous donne la parole. Véronique, Karim, Gertrude. Moi, juste merci. Je veux bien, mais... Merci, en tout cas, Amal, pour ce leadership que le Maroc aussi engage cette réflexion sur l'intelligence artificielle. Il faut que l'Afrique trouve sa voie. I think Africa needs to find his way on... this very important topic of intelligence artificial, which is everywhere now, and we can't be, we have to be part of the discussion. So thank you for that leadership and to bring us all around the table, the Francophone world, but also creating that bridge with the Arab and the Anglophone world, as Morocco is doing. So happy to be here with you. And sure, let's meet in Rabat when you are. Merci beaucoup. Gertrude veut dire quelque chose. Et pour ma part, je voudrais surtout remercier et féliciter le Maroc pour cette initiative qui a été prise de nous inviter à parler d'intelligence artificielle. Pour nous qui ne sommes pas connaisseurs, mais surtout faire entendre nos points de vue sur le sujet. Je voudrais également féliciter Abal et son équipe. Féliciter le travail formidable que vous faites à l'UM6P. Et vraiment, ce serait bien que cet exemple soit démultiplié à travers l'Afrique. Parce que nous avons vraiment besoin d'avoir de tels précurseurs et puis surtout de nous inspirer de vos réussites, nous inspirer des problèmes que vous avez aussi rencontrés, je pense, parce qu'il s'agira pour nous de nous y mettre. C'est encore un peu timide, mais les choses viennent et vraiment bravo encore et merci pour nous avoir invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gertrude, merci à tous. Bon, c'est le début d'une longue histoire, j'espère, de collaboration. Et je peux vous dire aussi que l'AFD est très impliquée auprès de nous, au Maroc en tout cas. Avec AI Move, on a quelques projets.
que nous allons mettre en place autour de l'éducation, l'IA, et je ne manquerai pas de revenir vers vous très prochainement pour ces sujets-là. Merci beaucoup. Merci à l'assistance. Vous ne les voyez pas, mais bon, ils sont là. On a eu un petit moment, on a eu très peur parce que, vous savez, le Maroc, c'est un pays où on joue beaucoup de musique, hein, beaucoup, beaucoup de musique. Et donc, il y a eu un passage assez bon, borderline ici. Hein, vous entendez à peine par moment, mais heureusement, on l'a échappé belle. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.